Bonjour, bonjour, bonsoir. Hello everybody. This is what we're gonna learn today. We're gonna learn to play this awesome rhythmic by this band. Okay. Alors oui, on va apprendre cette rythmique. Alors d'abord la progression, parce qu'il y a deux rythmiques, il y a ici la partie seven, rythmique seven. Donc on aura trois vidéos. La première vidéo aujourd'hui, il y aura deux vidéos. Une rythmique pour la partie chantante et la rythmique pour la partie seven dans la vidéo prochaine. So we're gonna have two lessons here. The first lesson today is gonna be the first part. So the rhythmic that is played during the singing part. And then the next video will be the rhythmic that is played during the refrain or maybe the seven. Okay, so now we are in the key of A major. So the progression is A, 6, sorry, 1, 6, 4, 5. Nous sommes dans la tonalité de La majeur. La progression est 1, 6, 4, 5. C'est ça. Alors 1, 6, 6 c'est quoi? 6 c'est la sixième note à partir de 1. Donc à partir de La majeur, donc La, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et puis on a Fa. Mais la sixième note c'est en fait le, c'est qu'on appelle le Fa dièse ou le Sol bémol. So it is what we call the F sharp. Or you can call it also G flat, G flat minor, G minor flat or F minor sharp. Donc si on a c'est le Fa mineur, c'est pas en Fa dièse mineur ou Sol bémol mineur, c'est la même note. Alors, je vais jouer maintenant doucement cette. Alors, on y va lentement. On jouait ça. C'est un bon exercice. Alors, essayez, je vais voir si vous serez à même de jouer ça. Ça c'est l'accompagnateur. Il y a, je pense, c'est la guitare mi solo qui joue aussi, à moins que l'accompagnateur ait joué deux fois, qui joue un son presque pareil, presque au même endroit selon mon entendement. Alors ça allait comme ça. Ok. Alors on commence. Second string, deuxième corde. Cinquième case, fifth fret.
sixth chord, third chord, fourth. Moi je joue comme ça. Troisième case, third fret, deuxième corde. Ok, on commence là. Troisième corde, third string. Comme ça. Je suis la bande corde, hein. On commence par la troisième corde, deuxième corde. That's it.